Nous célébrons ce 9 mai le début de la construction européenne. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes, avait promis Jean Monnet, l'un de ses pères fondateurs. Au sortir des épreuves terrifiantes de la Seconde Guerre mondiale, c'est un esprit de liberté, de coopération et de fraternité qui a porté un projet européen fondé sur les principes de souveraineté, d'unité, de démocratie et de solidarité. Grâce à ceci, nous avons franchi de nombreux obstacles jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ces valeurs qui fondent également notre engagement pour la paix et la sécurité internationale et nos relations avec nos partenaires, dont bien entendu au premier rang la Turquie. Nous continuerons d'œuvrer en ce sens par des actions concrètes et durables. Dans cette période troublée, je veux donc exprimer un message d'espoir et de solidarité. Nous ne pouvons relever les grands défis de notre temps qu'ensemble. Depuis des mois, les États, les peuples, les femmes et les hommes ont démontré leur résilience face au virus et à la crise qu'il a engendrée. Restons unis et mobilisés pour aller de l'avant et regarder vers l'avenir.